Le fils aîné de Paul Biya, Georges Gilbert Bangla, est libre. Incarcéré à la prison centrale de Kodengi depuis le 10 juin 2020, Georges Gilbert Bangla, qui se présente comme le fils du président Paul Biya, a été libéré dans la matinée du mercredi 5 mai 2021. Interpellé le 29 mai 2019, puis condamné un an plus tard à 2 ans de prison, l'ancien directeur du journal Le Démenti a retrouvé la liberté. Le présumé fils aîné du président Paul Biya était poursuivi pour escroquerie et diffamation suite à plusieurs plaintes déposées par des personnalités, dont l'influent homme d'affaires Jean-Pierre Amobo Belinga, patron de la chaîne de télévision privée Vision 4, des faits pour lesquels il a été déclaré coupable. Très célèbre dans les médias par ses positions tranchées et ses dénonciations, Georges Gilbert Bangla avait été condamné par le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, à la peine de 2 ans de prison ferme, assorti d'une lourde amende de 25 millions de francs CFA. En janvier 2020, le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, qui rejetait la demande de mise en liberté provisoire introduite par les avocats de Georges Gilbert Bangla, pour défaut de garantie, les débats avaient particulièrement été houleux entre les différents parties. Le conseil du prévenu avait souhaité, comme lors des précédentes audiences, que les infractions soient à nouveau qualifiées, en s'appuyant à cet effet sur l'article 58 de la loi sur la communication sociale du 19 décembre 1990. Par ailleurs, les avocats de Bangla estimaient que les droits de la défense ont été violés depuis la mise en garde à vue de leur client le 3 juin 2019 à la police judiciaire de Yaoundé.